Macha en arrière-plan. Voilà. Pour courrier du cœur. Voilà. Aujourd'hui, j'ai été contente de vous trouver deux enveloppes dans ma boîte aux lettres. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, j'ai eu une première enveloppe de Nathalie. Voilà. Et une deuxième enveloppe, voilà, de Micheline. Voilà. Alors, Micheline, c'est la personne dont je vous ai mis le lien de sa toute nouvelle chaîne YouTube que je vous ai mis en communauté cette semaine. Voilà, alors n'hésitez pas à aller voir, mais je vous remettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne. On en reparle tout de suite après. Alors, j'ai juste ouvert les enveloppes pour ne pas faire trop de bruit, puis pour que ça aille plus vite. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, je vais regarder avec vous. On va commencer par celle à Nathalie. Il y a des bonbons. Kiwi, il y avait des bonbons. ah bah oui, Nathalie est du Nord comme moi. Donc, elle m'a mis des bonbons du Nord. Voilà. Miam, miam. Alors, elle m'a fait d'abord une petite carte. Marquée Didite, avec la photo d'un chat. Et un joli sticker derrière. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Alors, on va voir ce que c'est. J'essaie de ne pas déchirer l'autocollant. Voilà. Je vais le recoller sur le côté. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, il y a deux stickers comme ça. Tout joli. Très vintage, j'aime bien. Une jolie carte, encore avec un joli minou. Alors, d'accord, donc elle dit qu'elle m'envoie des choses pour le pour mon junk journal. Elle m'envoie aussi des choses pour ma petite fille, et puis elle fait des câlins à tous mes poilus. Merci beaucoup Nathalie. Alors là, plein de dentelles. Junk journal, je vais commencer là, la semaine prochaine. Ça y est, je vais l'attaquer. Un joli, ça, c'est du rideau, ça, mais c'est super joli. Je vais sortir ce qu'elle a dans le sachet. Des anciennes dentelles en forme de feuilles. Donc il y en a plusieurs. Là, pareil, une dentelle brodée. Là, un petit napperon. Ici, des petits boutons. Hop, dans ce sens-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Ah, c'est une bonne idée ce que tu m'as mis. Oui, je n'avais pas pensé. Elle m'a mis des morceaux de bas, de collant de bas. Si je ne me trompe pas.
Alors là, je... Voilà, un petit comme ça. Alors c'est collé, ça doit être comme ça, comme fait, comme si c'était des petites fleurs. Un petit drapeau. Un petit napperon en coton. Et puis ici. Ah, j'en ai un qui s'est collé au sachet. Bon, ça y est, je le décollerai après. Donc, la petite dentelle comme ça. Des petits bouts de ruban. Et là, oui, les dentelles de bas, vous voyez? Une petite fine dentelle aussi. Et là aussi, il y a un petit bout de bord, mais c'est vrai que ça peut servir. Pas bête. Donc, il reste un petit bout, mais il est collé dans le sachet, mais c'est rien, je le décollerai. Voilà. Un autre sachet. Alors, des vieux rubans. Enfin, c'est pas du ruban, ça, c'est... Oh, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin, bon. Super. Des chutes de tissu. Et ça, c'est ça qui est pour ma petite fille. Les fèves. Ma petite fille commence la collection de fèves. Elles sont super belles. En petit gâteau celle-ci, ça va lui faire plaisir, surtout que les fèves, j'ai une copine de Facebook qui m'a envoyé un colis rempli de fèves, il n'y a que des fèves dedans, et le colis est perdu. La poste, on ne sait pas où ils ont mis le colis. Parce qu'ils nous ont. Ils, elle a envoyé en Colissimo, bien sûr. Et c'est marqué que le colis a été livré chez moi. Et le colis n'est pas chez moi. Et on a fait réclamation toutes les deux. On ne sait pas où il est. Eux non plus. Donc je continue à réclamer. Là, d'ailleurs, je dois rappeler demain, parce que le facteur devait rentrer aujourd'hui pour savoir ce qu'il a fait du colis. Et donc, j'attends la réponse demain. Sinon, ben, vendredi, c'est direction commissariat de police pour déposer plainte contre, pour vol contre la poste. Voilà. Merci beaucoup. Pour Elina. Là, des petites chutes de tissu. Et encore les petits rubans blancs. Là, je ne sais plus dire le nom, mais enfin. Voilà, ça, c'est super. Et un dernier. Des petits des stickers. Voilà, comme ceci. Super beau. Bah écoute Nathalie, merci merci beaucoup pour ton enveloppe. J'aime bien tout ce que tu m'as envoyé. Merci pour ma petite fille. Merci pour la carte. Merci pour les bonbons.
Et demain, j'irai lui porter ses fèves. De toute façon, elle n'est pas loin, elle habite à côté de chez moi. Encore merci. Je te fais des gros, plein de gros bisous. Alors, la deuxième enveloppe, donc je disais, c'est Micheline qui me l'a envoyée. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors, elle m'a fait une petite carte comme ça, avec un petit billet de goût. Et là, elle a marqué « Frotter santé ». On va frotter santé. Ah ben oui, ça sent un peu. Elle a mis du parfum. Et là, derrière, une petite fleur. Alors, le petit billet doux. Donc, elle, pareil, elle m'envoie des petites dentelles. Et elle m'a mis trois petites créations qu'elle fait. Et elle fait des bisous à tout le monde de la Normandie. Alors, Micheline, je te renvoie ton gros bisou aussi. Alors, des dentelles en coton. Je vais avoir de quoi faire pour mon junk journal. Ça va être super. Donc, là. Alors, on va l'ouvrir pour mieux voir le dessin. Voilà. Là, encore un pareil. Voilà. Ils sont pliés. Hein. Je ne vais pas tous les déplier. Et voilà, il a encore le même, mais en très très grand. Je vous montre le dessin. Elle est très belle. Brodée comme ça, c'est joli. Ensuite, elle m'a mis, pareil, plusieurs comme ceci. Voilà. Donc il y a plusieurs morceaux. Voilà. Je ne vais pas tout déplier. Hop. Et il y en a encore là. Et ici, un galon frange. Très joli. Celui-là, il irait même bien sur un album. Il est beau. Et donc, les petites créations qu'elle m'a fait. Donc, elle fait du crochet, elle fait du tricot, elle fait du diamond painting. Elle se met au scrap. Voilà. Donc, ça, c'est des petites créations en crochet. Petites fleurs. C'est tout mignon, j'aime bien. Oh, c'est mignon, ça. Regardez, une petite robe, une mini robe. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Voilà, là, c'est mon doigt. Voilà. Trop beau. Micheline, merci beaucoup aussi pour tout ton envoi, ces petits cadeaux. Ça me plaît beaucoup. Donc, je vais mettre tout ça dans ma petite caisse pour le junk journal. Là, la semaine prochaine, donc, je vais l'attaquer. Et je vais commencer à classer, faire classer les papiers, les dentelles, les tissus, tout ce que je vais mettre dedans. Mais bon, vous verrez, hein. Je vais faire en vidéo, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, et j'ai reçu notre enveloppe, mais là, bon,
ces tissus que j'ai reçus. Mais bon, c'est bête, j'ai pas l'autre tissu, il est déjà rangé en haut. Voilà. Donc ça, c'est un... Là, on voit pas bien la... Le rouge n'est pas si vif. Hein. Là, il me paraît très vif à la caméra. C'est pour des boîtes qu'on m'a commandées. Et le tissu principal, c'est un tissu bleu marine avec des oursons en pluche dessus. Voilà. Et donc, mais vous verrez les boîtes quand elles seront faites, comme d'habitude. Et donc, il y aura ce tissu-là avec. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais gâtée, j'ai eu plein de courriers, colis, enveloppes, c'était super. Voilà, bah, je préfère avoir ça que des factures, hein, vous me direz. Bah, écoutez, Nathalie, Micheline, encore un grand merci à toutes les deux. Je vous fais d'énormes bisous à toutes les deux. Et bah, on se retrouve vite sur Facebook, hein, puisqu'on en est amis sur Facebook. Et puis ici aussi, hein. Et vous, toutes mes abonnées, on se retrouve rapidement. Alors là, en ce moment, les abonnés, en parlant d'abonnés, vous êtes arrivés à 3263 ou 65. Je ne sais plus exactement, donc c'est super. Donc depuis qu'on a fait le concours des 3000 abonnés, vous êtes quand même 260 en, plus de 260 en plus déjà, donc c'est génial. Je suis vraiment très très heureuse. Bah, n'hésitez pas, hein, partagez ma chaîne, faites connaître si ça vous plaît, et venez voir régulièrement bah, mes vidéos. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous venez sur ma vidéo, de vous abonner. Ici, vous voyez, là, en bas de l'écran. Là ou là? Je ne sais plus dans quel sens je suis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Malgré que des fois, YouTube, on a beau faire la petite cloche, mais on ne reçoit pas toujours les notifications. Mais vérifiez toujours bien que la petite cloche est activée pour avoir toute l'actualité de ma chaîne. Et puis, des petits pouces bleus. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'ai encore des vidéos à vous faire. Et puis, plein de choses encore à vous faire, à vous montrer. Donc, c'est pas fini, on continue l'aventure. À bientôt, bisous, bisous.